Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission À nous deux clavier, l'émission qui parle d'écriture et de promotion, puis tout plein de sujets qui intéressent les écrivains comme nous autres. Euh, à soir, on va parler de signets, on va parler de création de signets, conception et d'impression. Après euh, cette petite émission-là, vous devriez être capable de gérer ça tout seul, de les imprimer et de les donner à vos lecteurs. -à ça commence maintenant. Je rappelle à tout le monde que c'est une émission enregistrée en direct parce qu'elle va être disponible sur YouTube après pour une rediffusion. Euh, Ceux-là qui m'écoutent, ben, bonsoir, merci d'être là. Et si vous voulez partager vos questions, moi je regarde toujours le chat dans mon interface. Euh, si c'est une question qui s'adresse à moi parce que vous pouvez parler aussi aux autres participants, euh, mettez, euh, mettons, trois dièses là, au début de votre question pour être sûr que je puisse la repérer euh, facilement pour que je puisse y répondre en ligne parce que je vais vous montrer. Euh, justement la conception de signets dans une application gratuite qui s'appelle Photopie, euh, qui est très similaire à Photoshop. Euh, C'est ça, c moi je vais essayer d'aller le plus lentement possible pour que tout le monde comprenne, mais des fois, si je, vous vous rendez compte que je vais trop vite, vous savez, je me le dire, et je vais ralentir la cadence, je vais expliquer des choses que vous euh, comprenez mal, il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez juste à m'arrêter et on va régler ça. Pourquoi je fais une émission sur les signets? Euh, c'est simple, c'est parce que c'est euh, l'objet marketing, je pense, qui est le plus important à avoir dans l'arsenal d'un auteur, parce que c'est un des rares objets que les lecteurs veulent vraiment. Parce que c'est. Puis moi, je, euh, comme lecteur, euh, c'est le cas pour moi aussi, quand j'ai un livre puis je me fais donner le signet à sortie, bien, je veux que le signal, le bon signé, reste dans le livre. Je ne veux pas mélanger une mauvais signé avec un une autre affaire. T'sais. Il y a un petit côté fétichiste avec ça qui est, qui est bien le fun. Euh, c'est un outil promotionnel incroyable. Autant pour euh, justement complémenter le livre qu'on vend dans un salon du livre, par exemple, mais on peut aussi insérer le signet d'un autre livre dans un volume qu'on vend pour indiquer au lecteur qu'est-ce qu'il devrait faire après avoir lu le livre qu'on vient de lui offrir. Donc, tu sais, mettons qu'on vend la série A, on met le signet de la série A dans le livre, puis on met aussi le signet de la série B, puis ça va lui donner un petit note pour qu'il aille euh, lire ça après. Euh, alors, euh, on va euh, commencer maintenant. Et. Euh, Là où on va faire des signets, en fait, je vais remercier tout de suite Joanne Dallaire qui m'a appris au Salon de Livre de Montréal qu'elle faisait imprimer ses signets sur un site qui s'appelait canadacopy.com. Parce qu'avant d'aller sur ce site-là, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais sur Vistaprint. Okay? Euh, j'ai imprimé des, des grosses cartes postales avec trois signets dessus. Puis j'ai coupé au Mexico. Parce que si on va, on va aller voir sur Vistaprint, je vais vous montrer quelque chose. Là. Les, les signes, il faut les magasiner en ligne parce que les prix sont vraiment, vraiment différents. C'est que Ça, c'est le site canadacopic.com que je viens de me montrer où je fais imprimer mes signes aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on va travailler tantôt. Euh, mais là, je vais vous montrer Vistaprint. Vistaprint, c'est là que je fais imprimer mes cartes d'affaires. Je fais imprimer aussi plein d'affaires marketing. Donc, on peut faire des tasses là-dessus, on peut faire des, des casquettes, n'importe quoi. Mais si on va dans Bookmark. OK. On va regarder, c'est quoi les, les dimensions et les prix? Euh, on voit ici que... Ça le dit c'est quoi? Ouais. C'est 2 par 16. 2, non, 2, 2 par 16. 2 par 6. C'est une grandeur raisonnable. Si on regarde la quantité, si tu en fais imprimer 5, okay, ici, ça te coûte 12 piastres pour 5, ce qui te revient à 2,40$ de l'unité. Okay, ça, c'est complètement insane. Vous ne faites jamais imprimer des signets à 2,40$. Euh, ça vaut plus cher que les redevances que vous allez avoir pour votre livre. Ce n'est pas une, une chose à faire. Là. Si on s'en va, bien, plus on augmente la quantité d'imprimés, et plus le prix descend. C'est comme ça que ça marche, la logique dans l'impression. Si on tombe à 100 signets, ça nous coûte 60 cents de l'unité. Et si on va jusqu'à, mettons, 1000, bien, on est à 48 cents. C'est encore beaucoup, 48 cents. Parce que si en vendant ton livre, mettons, quand on vend un livre, on fait 10% en général, quand c'est l'édition traditionnelle. Fait que si tu vends un livre 20$, il te revient 2 dollars, ben, il faut que tu donnes plus que 4 signés là, pour générer une vente. Là. Euh, parce que si tu en donnes plus que 4, tu gruges tout ton profit. Parce que dès que tu en as donné 4, tu es à 2, tu es quasiment à 2 là, avec ce, ce prix-là. C'est pour ça que à print, quand tu choisis les signés en tant que tel, moi je trouve ça excessivement cher. Là. Même à 5000, ça devient à 44 c'est Quand on fait imprimer des cartes postales, je n'irai pas dans les menus pour voir ça. Quand on fait imprimer des cartes postales, puis qu'on en met trois par carte, puis qu'on les coupe tout seul au maschio, ça revient à peu près à 7 scène du signet. Mais le désavantage, c'est qu'il faut faire de la manutention chez nous. Il faut s'acheter un maschio. Il euh, faut avoir la patience de couper. Mettons que tu te fais commander euh, 500 cartes postales. Il faut que tu les coupes deux fois chaque. Ça revient long. Fait qu'on va oublier ça. On va aller à la place sur. CanadaCopy.com. Euh, Puis j'ai attendu, parce que je me demandais, euh, ouais, il me semble que c'est pas, pas cher sur CanadaCopy.com, c'est que j'en ai commandé moi-même. J'ai fait imprimer des signets des romans dont vous êtes la victime J'ai attendu des recevoir pour être sûr que la qualité était bonne. tu sais, c'est pas over the top comme qualité, mais un signet, c'est un signet. Là. Ça n'a pas besoin d'être en carton, épais comme une, du carton de boîte de céréales. Il faut que ça communique ce que ça a besoin de communiquer. Et il euh, faut que ça soit good enough. Puis sur Canada c'est good enough en masse. Que, on va aller dans Marketing, et on va aller dans Bookmarks pour voir justement c'est quoi leur, leur prix. Quand on s'en va dans Bookmarks, ici ils disent toujours hey, profitez de notre rabais, vous avez seulement 17 heures pour en profiter mais c'est pas vrai, après 17 heures, ils font juste resetter Ils font juste leur loge, puis vous allez quand même pouvoir profiter du rabais qui affiche. Déjà là, ici, on voit que leurs signets sont plus gros que sur Vistabrin. Sont 2 par 8 plutôt que 2 par 6. Puis pour les livres que moi je vends, 2 par 8 c'est beaucoup plus approprié que 2 par 6 déjà. Euh, si je m'en vais à, mettons, je vais ouvrir, je vais choisir 1000, quantité 1000, vous voyez, on est à 34 Ce qui fait une méchante différence par rapport à VistaPrint. Euh, si on fait le calcul pour 1000 signets, ça nous revient à 3,4 sous avant l'expédition, parce qu'il y a toujours des frais d'expédition à ajouter à ça. Euh, si on expédie au Québec, il me semble qu'une commande de 1000 signets, ça revient autour de 58$, là, avec les taxes, avec l'expédition, et, et l'impression, est tout et partout. C'est ça, c'est 5 cents du signet. Là, là, tu commences à jaser, là, parce que si, à 5 cents du signet, tu peux donner 10 signets pour essayer de générer une vente, ça t'a juste coûté 50 cents. Tu ta vente, tu vas refaire deux pièces et tu es dans le profit. C'est plus facile de rester dans le profit quand tes signets te coûtent pas cher. Fait que le best, c'est ça, c'est de commander sur un... de magasiner beaucoup ces signets. Et une fois qu'on a trouvé des prix raisonnables, une bonne qualité, ben là ensuite on peut s'aller sur la conception. Mais dès qu'on dépense plus que 25 cents pour un signet, même plus que 20 cents, c'est très difficile de rentrer dans son argent. Les autres, comment il fonctionne sur Canada Copy, c'est tu choisis tous les paramètres que tu veux. En fait, on va choisir 1000 signets. On peut. La dimension, c'est juste 2 par 8, mais ici, on peut choisir, si on veut, 4 couleurs, ben, pleine couleurs d'un côté seulement. Puis l'autre côté, il est blanc. C'est ça que j'ai imprimé parce que je voulais, je voulais essayer au départ. Mais on peut choisir aussi d'avoir du. Il appelle ça full color both side. Et je trouve ça assez incroyable sur Canadacopie.com parce que ça revient, genre là, c'est 36 et 55, puis c'est 34, ça revient une pièce et demie, deux pièces et demie de plus pour avoir de la couleur des deux côtés. Et pour juste deux pièces et demie de plus, pour mille signets, utilisez ça. Utilisez l'espace qui est a à l'endos de votre livre. Là, je ne l'ai pas fait, là, mais on va le faire tantôt ensemble. Vous pouvez mettre plein d'affaires à l'endos. Vous pouvez mettre votre adresse web, vous pouvez mettre un résumé du livre. Et il y a moyen même dans ce petit espace-là de mettre un résumé. Je vais vous montrer comment tantôt. Que, utilisez ça. Utilisez l'endos, c'est pas cher. Ça transmet plein d'informations. Ban fun. Euh, je vais appuyer un commentaire. Euh, ouais, je ne connaissais pas Canada Copy, c'est super intéressant. Merci Motu. Je ne le connaissais pas avant. J'en ai cherché beaucoup des sites. Puis c'est ça, c'est Joanne qui me montrait ça euh, à Montréal. Puis là, je ne m'en passerai plus. Je me suis commandé justement mille signets d'un roman dont vous êtes la victime. Euh, je me suis commandé d'autres signets d'un projet sur lequel je travaille. Puis là, à soir, on va faire le signet. Wow de Bienvenue à Spamville, parce que je ai pas de signé. Enfin, J'ai juste mes vieux signets de, de chez Porte ça que je vais en faire à l'image de ce livre-là. Euh, je voulais m'en faire, puis je me suis dit, tant qu'à faire des signets, puis à savoir comment faire, puis à savoir que Canada Copy, ça marche, on va les faire ensemble, et on va euh, le faire étape par étape. Comment ça marche sur Canada Copy pour designer son signet? On peut faire euh, dans la fenêtre ici, « Design Now ». C'est un je pense un assistant de désing, pour designer un signet, mais ce n'est pas ça qu'on va faire, nous autres. On va utiliser plutôt Upload your files parce que je vais vous apprendre à utiliser euh, Photopie. J'en ai déjà parlé dans un autre live. Hein. J'ai parlé de Photopy pour faire des couvertures 3D de ces livres, mais là, on va l'utiliser pour faire un design de base. Ça fait que Si on fait Upload your files, bien, il va apparaître une fenêtre. on ne la voit pas à l'écran, mais il me demande de choisir un fichier. On va générer des fichiers .png. C'est ça le, un des meilleurs fichiers sans compression là, pour, euh, pour faire ça. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est 2 par 8. C'est 2 pouces par 8 pouces. Okay? c'est qu'on va tout de suite aller sur puis Si vous voulez aller sur Photopie, là, faites-le pas à soi pendant qu'on m'écoute. Mais oubliez pas, je l'ai dit tantôt, ça va être disponible sur YouTube. Après, c'est écoutez, euh, ayez du fun. Mais vous n'avez pas besoin de prendre des notes parce que vous allez pouvoir réécouter la, cette vidéo-là plus tard quand vous allez être devant votre ordi, devant Photopie pour faire votre signe. Photopie, l'adresse, c'est photopea.com. Euh, si vous allez là-dessus dans votre navigateur Chrome, euh, c'est vraiment in browser comme, euh, comme application. C'est vraiment dans ton navigateur web. Euh, c'est merveilleux. Sauf qu'une fois que tu es dedans, tu peux, si tu veux, l'installer. Sur ton ordinateur, que ce soit Mac ou PC, puis il va apparaître l'icône de l'application dans ta barre des, des applications ou euh, sur ton bureau. C'est juste que quand tu l'ouvres, ben, l'ordinateur va comme ouvrir une instance de Chrome quand même pour faire fonctionner Photopie. Alors. Je l'ouvre ici. ici. Quand on a Photopie, c'est cette, euh, cette interface-là qui apparaît. Et il demande ici, ils disent drop any files here. Que si je voulais travailler sur une image qui existe déjà, je ferais un, comme un drag and drop de mon image pour l'amener là. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va créer une nouvelle image. On va aller dans File et on va faire New pour faire une nouvelle image. On va l'appeler Signet Spamville. Et là, on a les dimensions. En pixels de l'image qu'on va créer. Mais on ne la créera pas en pixels parce que c'est destiné à l'impression, ce qu'on veut faire. C'est qu'on va reprendre les dimensions qui sont écrites dans Canada Copy. On sait qu'on veut faire euh, un signet 2 par 8. C'est qu'on va choisir Inches et 7 pour les pouces. Et la largeur, ben on va choisir 2 pouces. La hauteur, on va mettre 8 pouces. Et là, déjà, on voit que les exemples sont ajustés par rapport à. T'sais, on pourrait choisir des templates ici, mais on va commencer avec un canevas blanc. Mais ici, il y a un, un, une donnée qui est très, très, très importante c'est le DPI. Okay. DPI, ça, ça veut dire dots per inches point par pouce en français. Ça, ça signifie, c'est comme si on disait à Photopie, on veut qu'on ait tant de pixels par pouce dans l'image qu'on va générer. 72, ce n'est pas beaucoup. Pour l'impression, si on générait une image à 72 dpi, ça veut dire qu'elle aurait 72 fois 2 de large. Ça, que ça serait 60, euh, payons, 144 pixels de large. Ce qui n'est vraiment pas suffisant. Euh, quand on est dans l'impression, il faut toujours, toujours minimum, au oh, minimum, des mots. Au minimum 300 Dpi. Ça prend 300 DPI si on ne veut pas que l'impression. Euh, soit pixelisé pour avoir un maximum de qualité on peut prendre 3, on prend 300 on peut même aller à 600 si on a une grosse machine qui travaille assez fort mais là pour les besoins du de, de tutoriel que je vous fais je vais prendre 300 pour être sûr que mon ordinateur ne plante pas parce que des fois faire des lives vous le savez c'est le festival des problèmes techniques ça, que ça se peut qu'il y en ait un soir euh, mais on va s'arranger pour que tout soit smooth c'est qu'on va choisir 300 dpi et on fait create et on a notre signe vierge qui apparaît ici et déjà si on va dans images on fait image 16, on va le voir en pixels combien l'image euh, est grosse. qu'elle a 600 pixels de large, justement 2 pouces x 300, et en hauteur 2400 pixels. Puis il nous rappelle le DPI ici. On n'aura pas besoin de changer ça. Alors là, le signet, il est blanc. Qu'est-ce qu'on fait ben, D'habitude, sur un signet, qu'est-ce qu'il y a en premier Je l'ai fait avec le signet de Romain La de la Victime. Il y a la page couverture du livre. Si tu fais un signe, n'y a pas de page couverture du livre, on est à côté de la traque. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher notre page la page couverture en JPEG et on va faire un drag and drop dans Photopie directement. Donc là, je la sélectionne et je l'amène ici. Et là, ça load, puis on voit, elle apparaît directement dans mon interface. Puis une fois que je la positionne, j'appuie sur Enter. Un des outils à gauche, là, dans le menu à gauche, qu'on va utiliser beaucoup, c'est la flèche en haut, celle -là, cette flèche-là ici, qui sert à déplacer des calques, ou en anglais des layers. C'est quoi des layers? Ici, c'est toutes les, les layers. Vous voyez ici, là, dans l'onglet, c'est écrit layers. Ça, c'est toutes les calques qu'on utilise. Les calques, c'est comme des images qui sont superposées dans notre document Photopi. Si je crée, vous voyez ici, j'ai importé Spamville Preview. C'est que là, je vais le renommer en double-cliquant dessus. Et je vais écrire couverture de Spamville. Donc ça, c'est mon calque qui s'appelle couverture de Spamville. Et j'ai un autre calque en dessous qui s'appelle background, qui est juste du blanc. Donc, si je crée un nouveau calque, là, je vais créer un calque de test pour vous montrer c'est quoi un calque. C'est que là, j'écris test. Et là, je prends le pinceau. Puis je vais beurrer du noir un peu partout. Mettons, là. Vous voyez, là, je dessine du noir. Là-dessus. Après, je choisi l'application de flèche. Là où j'ai beurré, vu que c'était le calque test qui était sélectionné, ben, mon, mes traits noirs sont juste sur ce calque-là. C'est que si je, je déplace ça, vous voyez, c'est juste les traits de crayon noir. Alors que si je sélectionne couverture de spamville, ben, je vais juste bouger la couverture de spamville. C'est qu'en créant un signet et en créant n'importe quoi dans Photopie, vous allez toujours utiliser plein, plein de calques pour séparer les éléments entre eux, c'est qu'il va y avoir un calque pour l'arrière-plan, un calque pour la couverture, un calque pour le titre du livre, si vous le mettez, un autre pour le logo de la maison d'édition, et ainsi de suite. Et moi, je vous suggère toujours, à chaque fois que vous créez un nouveau calque, donnez-leur des noms significatifs, parce que quand vous commencez à avoir une vingtaine de calques à droite, là, vous allez avoir mal à la tête. Là, on n'en fera pas tellement, peut-être qu'il va y avoir 7-8 calques quand on va avoir fini, euh, mais on va tout, tout le temps les nommer pour euh, s'assurer de savoir exactement ce qu'on fait. Pour se retrouver. Que là, si je veux séparer, euh, si je veux supprimer le calque avec les barbeaux noirs, je sélectionne test ici. Vous voyez ici, il y a une icône. c'est supposé être une poubelle. Je vais cliquer dessus, puis c'est disparu. Okay. Euh, chose importante à savoir quand on fait de l'imprimer, puis les signes, ça rentre là-dedans. Il euh, faut prévoir un bleed autour de notre signe. Ça, ça veut dire que la machine qui va imprimer notre signet va l'imprimer sur un carton blanc qui est plus gros que le signet. Ça se peut qu'il en mette plusieurs même sur une seule page de carton. Et ensuite, il y a un massicot qui va couper le signet. Le massicot, il va couper le signet, là, pas nécessairement à la limite de notre design. Il va le couper peut-être là pour élaguer un peu de couleur, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contour blanc. À notre signet. Là, je vais mettre des repères. Ça, j'ai pesé sur CTRL R pour faire apparaître la règle, ou Commande R si on est sur Mac. Et quand on clique sur la règle et qu'on drague, on fait apparaître des repères qui ne sont pas inclus dans le design, mais c'est pour nous autres, pour se souvenir de rien mettre d'important à l'extérieur de ces limites-là. Je clique ici et je l'amène ici pour créer mon bleed. Et voilà. On est mis de chaque côté. Et je vais me souvenir comme ça de rien mettre à l'extérieur de ça. fait que Vous voyez ma couverture à dépasse du bleed. Fait que si je le laissais comme ça, puis j'envoyais ça à l'impression, ben probablement que les côtés de ma couverture ici, puis là, ils seraient coupés par le massio, on le perdrait. Fait que je vais cliquer sur couverture de spam bill, Et là, je vais peser sur, si on est sur PC, on fait CTRL-T. Si on est sur Mac, on fait commenter T. Je pèse là-dessus. Vous voyez, quand je fais Commande T, il y a des points de contrôle qui apparaissent tout autour et je peux changer la dimension de la couverture. C'est que si je clique sur un coin et je drague la couverture, vous voyez, je peux la rapetisser, sauf qu'elle ne garde pas ses proportions. C'est étonnant. On ne veut pas redimensionner la couverture puis s'arranger par erreur pour qu'elle soit aplatie comme ça. C'est dégueulasse. qu'on fait annuler et à la place, on fait commenter. Et si on garde le, sur le clavier Shift enfoncé, vous voyez, quand je redimensionne, ça garde toujours ses proportions. C'est qu'il faut toujours peser sur Shift quand on redimensionne pour s'assurer que l'image va garder ses proportions comme ça. C'est que je vais redimensionner à peu près comme ça. Et là, je vais l'amener au milieu. Et ce qui est le fun dans la photopie, c'est quand on amène une image complètement au milieu, il y a une ligne rouge qui apparaît qui nous indique ⁇⁇ Hey, es au milieu de ton design ⁇ vous voyez, là, ici, je suis au milieu et je fais Enter et vous voyez, c'est redimensionné. Et si vous voulez faire disparaître les guides, ce que vous pouvez faire, c'est CTRL H pour comme CTRL hide ou commande H. Fait que là, je pèse sur CTRL H et vous voyez, les guides sont disparus. Je peux designer en toute quiétude maintenant euh, en sachant que si je veux les faire apparaître, je repèse encore ce CTRL H et mes guides réapparaissent. Que là, je vais les enlever. Pour le fond de mon signet, je ne veux pas laisser ça blanc, euh, j'aurais deux options. Je pourrais créer une couleur unie, puis juste utiliser cette couleur-là. Ce serait comme la solution la plus simple. Et pour créer un calque de couleur unie, il faut aller ici, dans la fenêtre des calques, et dans le bas, il y a un bouton. Euh, c'est le troisième bouton qui est en bas, une espèce de cercle à moitié rempli. Ça, c'est des calques d'effet, qu'on appelle. C'est qu'on clique une fois dessus, et on choisit Color Fill. À il me laisse choisir la couleur. C'est que je vais aller choisir un bleu qui ressemble un petit peu à Spamville, mettons. C'est que je regarde ici. Ah, ça, ça ressemble pas mal. Je vais choisir quelque chose de plus foncé pour que ça se décroche bien. Et je fais OK. Là, vous voyez, je viens de perdre mon image. Pourquoi vous pensez Il y a une raison. Il ne faut pas paniquer si ça fait ça, parce que regardez ici les calques, on a notre arrière-plan ici, le background qui est là. On a notre couverture de Spamville et par-dessus la couverture de Spamville, il y a le calque qui s'appelle Color Fill 1 qui est apparu. Mais ils sont toutes superposées, ces calques-là. Ça veut dire que le dernier calque, ben, il cache tout le reste de mon design. Mais ce que j'ai à faire, c'est que je clique dessus puis je le drague derrière la page couverture. Et là, mon design apparaît ici. Euh, ça, ça c'est la version facile. On met une couleur unie, paf, on a notre signal. Mais moi, je trouve ça un peu ordinaire comme façon de designer. Euh, moi ce que, que je préfère c'est mettre une image derrière plus foncée on peut la mettre floue et des fois je fais carrément un rappel de l'image qui est euh, sur la couverture fait que pour il y a plusieurs façons de le faire tu sais, je pourrais carrément mettons aller chercher mon fichier euh, c'est moi qui ai designé la couverture c'est que mettons je vais drag and dropper Excusez pour le problème technique. <laughs> Êtes-vous encore là? Ok, c'est beau. <laughs> J'ai comme drag-droppé mon image par-dessus mon stream. C'est une erreur à ne pas faire. C'est que je vais juste repartager mon écran. Euh, ce ne sera pas long. Um, ok. Je l'ai dit, il y a des problèmes techniques des fois. C'est que vous êtes là. Okay. Je vais juste vous écrire. Écrivez-moi dans le chat là, pour me rassurer que je <laughs> n'ai pas tout fait cracher mes affaires. Ok. Ok. On, va recomm on recommence où on en était rendu. Okay. Là, je ne vois pas écrire, je suis un peu paniqué. Je vais aller voir dans Facebook, dans Safari, pour oui. être sûr que le live fonctionne encore. Euh, pas de panique. Facebook.com ouais. Ouais, Ok, tu t'es drag and droppé. <laughs> Lin, ok, ouais, Lynn, est-ce que tu me vois? Est-ce que vous me voyez? Dites-moi si vous me voyez. Oui, ok, parfait. J'ai vu, euh, vu dans le chat. C'est arrivé un petit peu en retard. Parfait. Ouais, ça, c'est parce que j'ai drag and dropé dans la fenêtre de, de, de mon application de streaming. Tu sais, bravo. C'est ça. Je vais, on recommence, puis là, on drag and drop dans Photopie à la place. Donc, je prends mon image, je drag and drop dans Photopie. Voilà. Fait que là, je l'ai mon arrière-plan. C'est le même, la même espèce de champ en arrière. C'est que Je, je vais l'agrandir pour que ça prenne toute la place. Comme ça. Que je ne vous rappellerai pas les hotkeys que j'ai pris. Et si on veut le rendre flou, mettons, on veut le rendre flou, ce qu'on va faire, c'est on va s'assurer de sélectionner notre bon calque. Qui est ici, on va aller dans Filter, Blur et Gaussian Blur. Là, on voit déjà un petit aperçu du flou que ça va donner. On peut le blurrer quand même pas mal. Tout ce qu'on veut, c'est un rappel des couleurs, en fait. On peut faire quasiment ça de même. Et on fait OK. Fait déjà là, on a un arrière-plan qui est plus intéressant qu'une couleur unie, tout simplement. Euh, si je veux le rendre un petit peu plus foncé pour que la couverture se décroche, ben, je peux garder mon color fill en arrière, qui est complètement caché par l'image que j'ai apportée. Là, je, vais le, je vais le changer de nom. Je vais écrire arrière-plan arrière de route. Okay, il s'appelle arrière-plan de route. Vous voyez ici, il y a opacité. Fait que si je baisse l'opacité de ce calque-là, on va voir la couleur du color fill ici ressurgir derrière. Fait on va le baisser comme ça. Vous voyez la couleur Elle ressurgit. Juste si on le met à 30%, déjà là, on a, a rappel la couverture. Puis on a cette couleur-là qui ressort un petit peu en arrière. C'est plus foncé. Euh, et déjà là, je trouve que c'est cool. Moi j'aime bien aussi pour décrocher la couverture de l'arrière-plan mettre un petit contour ben, enfin, c'est ça que j'ai fait ici on, je sais pas si on va le voir oui on va le voir il y a un petit ca... il y a un petit euh, contour blanc là autour de la couverture on va reproduire la même chose sur euh... bienvenue à Spamville c'est que je vais zoomer pour vous montrer zoomer on peut le faire avec un trackpad là. sinon il y a euh, un outil de, de zoom je sais pas seulement il est où en tout cas moi je le fais avec mon trackpad sur mon ordinateur euh, je sélectionne couverture de Spamville et on s'en va dans F, c'est les effects, les effets qu'on applique sur des calques, sur des layers. Euh, on va choisir stroke. Okay, on va pas mourir d'un stroke. Là. On va faire un contour autour de notre image. Par défaut, il nous met un stroke rouge, mais là, c'est n'est pas ça qu'on va prendre. On va aller cliquer ici sur la couleur pour choisir blanc, tout simplement. On choisit, on sélectionne blanc, on fait OK. Et le contour est devenu blanc. Euh, on a ici l'épaisseur en pixels, on peut y aller avec deux pixels pour pas que ce soit trop, euh, trop intense. Et on peut choisir aussi l'opacité qu'on va réduire, mettons, à 50%. Si je, je mets opacité 0, le, le cadre disparaît. Et si je le monte, ben là on est de plus en plus clair. C'est que 50%, je trouve que c'est juste bien, ça ne jure pas trop euh, dans notre design. C'est qu'on a un beau, un beau petit contour euh, subtil ici. Déjà là, là, on commence à avoir de quoi là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans un signet? On... Souvent, on met le titre ici. On va le mettre, on peut le mettre dans l'autre sens. Euh, et souvent, il y a un logo de la maison d'édition en bas. Euh, ici, le titre, moi, c'est facile parce que c'est moi qui ai conçu la page couverture. C'est que le titre, je le sais, la police de caractère, c'est quoi? C'est Din Condensed. Okay? Que je pourrais prendre l'outil de texte et choisir. C'est l'outil de texte en fonction de petit t ici. Et si on veut choisir les paramètres de l'outil de texte, euh, ici, quelqu'un a dit Je t'ai encore, encore perdu. Euh, quand tu dis j'étais encore perdu, c'est parce que ça a gelé ou euh, je vais trop vite En tout cas, tu me le diras, puis euh, je, vais, euh, je vais répondre après à ça. Fait que si je sélectionne l'outil de texte ici pour rajouter Wow Wow C'est qui Ok ça va bien. <laughs> et euh, je veux écrire du texte. Dans le fond, j'ai je clique avec l'outil texte au milieu et il va avoir un il va avoir un calque de texte qui va apparaître. c'est que je peux écrire bienvenue à Il est apparu vraiment tout petit. L'outil texte il est là par exemple. Et là, je vais cliquer sur la flèche. Si on zoome, on le voit là, c'est écrit Bienvenue à Spamville dans la police de caractère. Enfin, en fait, ce n'est pas la police de caractère, je vais aller la sélectionner. C'est pour changer la police de caractère, je m'assure que le calque de texte est sélectionné. Vous voyez, je peux bouger le texte. Et là, je clique sur cette icône-là, ici. Et je vais choisir la police que j'ai utilisée sur ma page couverture, qui est DIN Condensed, ici. Et vu que c'est écrit, là, je peux monter la, la taille. C'est que je vais le monter quand même assez gros. Et je vais mettre ça en majuscule. Pour mettre ça tout en majuscule, c'est le python ici. Bienvenue à Spamville. Et je crois que dans ce titre-là, j'avais utilisé une version. Euh, on peut choisir entre Regular et Din Bold. Euh, on va choisir la version Bold. Et là, vous voyez, ça ressemble pas mal. C'est pas mal le même titre. C'est qu'on le dessine ici. Et si on veut le mettre à la verticale, ce qu'on va faire, si je vais dézoomer un petit peu, je vais agrandir le titre. Voilà. Et là, il sort un peu du cadre. Okay? C'est que je vais appuyer sur Ctrl T ou Command T si on est sur Mac pour faire apparaître la boîte de modification où on peut justement agrandir le titre, mais on peut aussi le rotationner le titre. Si on déplace notre pointeur juste à l'extérieur de la boîte, mais pas nécessairement sur un carré, là, juste à côté, et là, on tombe dans la rotation. Que si on clique là, je peux rotationner le titre dans le sens que je veux. Okay? Mais encore là, c'est dur d'avoir un 90 degrés bien exact si on fait ça. ça fait que là, je vais lâcher ça, puis je vais faire CTRL-Z. Je refais CTRL-T. Et si je fais la rotation et je tiens le bouton SHIFT, okay, je vais le tourner, puis ça va juste être des incréments de 15 degrés. Que là, je suis sûr d'arriver pile poil sur mon 90 degrés. Et je lâche le bouton. Et je fais ENTER. Donc là, Je le déplace ici. Et vu que l'arrière-plan est très sombre, je pense que c'est mieux d'utiliser une police blanche plutôt qu'une police noire, parce qu'elle va se décrocher beaucoup mieux. Euh, alors, on s'en va ici, toujours dans l'outil de texte, là, dans cette colonne-là. Ça, ici, c'est la couleur du texte. On s'assure que notre calque est sélectionné. Bienvenue à Spam -bile. On clique ici et on choisit la couleur de notre texte. On va le mettre blanc. Et on fait OK. Ça fait que déjà là, là, si on l'agrandit un petit peu. Là, il euh, faut s'assurer aussi de ne pas dépasser notre blé d'en bas. Là. là, ça serait peut-être trop gros. Ben, notre signet, il serait, euh, écoute, il serait pas mal fini si on veut juste mettre ça. Puis on peut rajouter, mettons, Bienvenue à Spamville par Dominique Belavance. On peut mettre le nom de l'auteur. C'est quelque chose aussi qui apparaît beaucoup euh, sur un signet. Mais là, c'était la version facile que je vous ai montrée parce que moi, je connaissais la police de caractère que j'ai utilisée. Mais vous, si vous faites un signet, surtout si c'est un signet, qui est utilisé par, euh, d'un livre d'une maison d'édition traditionnelle, probablement que vous ne connaîtrez pas la police de caractère qui a été utilisée pour faire votre titre. Okay? Euh, et même si la, la maison d'édition vous informe sur la police de caractère que vous allez avoir, qui, qui est utilisée dans le livre, ça se peut que vous ne l'ayez pas chez vous, cette police-là. C'est que si vous voulez recréer le titre exactement comme il apparaît sur la couverture, je vais vous montrer un truc. C'est que là, je vais effacer Bienvenue à ce Bill qui est au format texte. Je vais le cliquer sur la, le calque-ci et je clique sur la poubelle pour l'enlever. C'est qu'on retombe avec une page vierge. C'est que là, je vais, euh, je vais retourner dans mon navigateur web. Okay, puis Je vais partager euh, l'écran de ce navigateur-là. C'est qu'on va retourner sur. Canada Copie pour l'instant, c'est que là, je l'affiche sur le stream, voilà. On retourne dans, dans Canada Copie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous allez aller sur les libraires, et là, ben Spamville, il est pas sur les libraires, parce que c'est un livre auto-édité, c'est que je n'utiliserai pas cet exemple-là, je vais aller chercher, par exemple, ça, je sais que ça marche, Le silence des sept nuits, des sept nuits, on va aller extraire le titre de Le silence des sept nuits, je vais vous montrer comment. C'est qu'une fois qu'on qu a été généré dans Libraire.ca, vous allez cliquer sur la couverture du livre. Et après ça, quand vous êtes dans la page d'achat, euh, il y a une question ici. Lynn demande, les maisons d'édition traditionnelles ne fournissent pas les signets. Euh, la plupart du temps, ben ça, ça arrive qu'ils fournissent, d'autres fois non. Euh, on dirait que plusieurs années auparavant, les maisons d'édition fournissaient toujours des signets, puis plus le temps avance. Euh, puis moins ils en fournissent, je trouve ça euh, plate un peu mais c'est la vie, les maisons d'édition ils ont beaucoup de frais déjà euh, et les signets c'était un frais par-dessus tout le reste, je comprends qu'il y ait beaucoup de maisons d'édition qui aient euh, abandonné un peu la, la création et la distribution de signets à leurs auteurs, c'est pourquoi euh, que je fais cette formation-là justement pour que vous puissiez euh, vous débrouiller si jamais votre maison d'édition vous fournissait pas de signets ou si jamais elle vous en fournissait trop peu puis vous vouliez faire les vôtres avec vos coordonnées dessus euh, c'est une façon de, de procéder. C'est pour ça que je vous, euh, je vous donne la formation euh, ce soir. Merci Lynn pour ta question. Que on revient au navigateur web, c'est que vous allez cliquer sur feuilleter ce livre. Okay. Et quand vous cliquez sur feuilleter ce livre, il apparaît un espèce d'aperçu, en fait la version PDF du livre. Fait que si, tu, euh, si on tourne les pages ici, ben, on, on le feuillette. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, à la page où on met des dédicaces, le titre, y est là en noir sur fond blanc. Fait que nous ce qu'on va essayer de faire pour faire notre signé, ça va être aller extraire le titre qui est bien mis en page. Il y a la bonne police de caractère ici là. Le silence de cette nuit il est exactement mis en page comme je le voudrais sur mon signé. pour aller chercher ce silence de cette nuit là, qu'est-ce qu'on fait On clique sur PDF en haut. Et là, il va afficher la version carrément PDF dans notre navigateur et on le télécharge. Sur notre poste. Ici, là, ça, c'est le bouton pour télécharger dans, dans Chrome. Ça se peut que le bouton dans votre navigateur, si vous n'utilisez pas Chrome, il soit ailleurs. Euh, mais il, il est facile à trouver, c'est sûr. Et vous cliquez là-dessus pour le télécharger. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne euh, comme résultat. Euh, ce sera pas long, je vais juste partager. Parce qu'il faut que, comme, comme que je partage fenêtre par fenêtre, c'est un peu compliqué, mais je vais y arriver. Euh, c'est ça ici, autorisé. Voilà. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Affiché sur le stream. Ça, c'est mon PDF que j'ai téléchargé. Donc, vous voyez, quand euh, je navigue dedans, je peux me rendre jusqu'au titre et je peux même me rendre jusqu'à la deuxième page de garde qui contient le logo de la maison d'édition. Et si on veut mettre le logo de la maison d'édition, ben, c'est pratique. On peut aller l'extraire comme ça. Donc Une fois qu'on a chargé le PDF sur notre ordinateur, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche le titre. Et dans le PDF, ce qu'il est le fun, c'est que le titre va être en vectoriel. Ça, ça veut dire qu'on peut zoomer dessus à l'infini, et on n'aura jamais de perte de qualité. Vous voyez que mon trackpad, là, je vais essayer de, de zoomer dessus. Puis plus je zoom, on voit jamais de pixels. C'est en vectoriel, c'est ça qui est merveilleux. C'est que Je vais essayer de zoomer le plus possible pour aller chercher le maximum de détails. Ça, ça ne s'en vient pas pire. Et sur Mac, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Command-Shift-4 pour prendre une capture d'écran de ça. Okay. Sur PC, je ne sais pas. Je pense que c'est Print Screen. Euh, allez, allez voir sur Google pour savoir comment faire une capture d'écran sur un PC. Ils vont vous le dire. Mais on fait une capture d'écran. Moi, je vais appuyer sur Command Shift 4 et euh, mon curseur se transforme en petite cible. Que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le coin du cylindre de cette nuit et je vais le draguer. Là, on ne voit pas le carré apparaître, mais moi, je le vois à mon écran. Je le drague sur tout le cylindre de cette nuit et je lâche le bouton. Et là, ça a été sauvegardé sur mon bureau en fichier PNG. Là, je vais retourner avec ça dans Photopie pour importer ce que j'ai copié ouais, sur PC. OK, Alain, Alain Leclerc le dit sur PC, c'est Print Screen. Parfait. C'est que sur PC, vous passez sur Print Screen et ça va régler tous vos problèmes. Alors, ce que je fais, c'est avec le fichier qui a été généré, je le drag and drop simplement. Euh, sur mon signet, là, je vais essayer de ne pas le drag and dropper dans Melon. Alors voilà, je drag and drop ici. Et il apparaît. Et que je, je peux peser sur une table ou je peux tout de suite le dimensionner dans la taille que je veux. C'est que je vais le rotationner comme j'ai fait tantôt. Je le mets comme ça. Et je l'agrandis. Mettons pour qu'il qu soit comme ça. Et je le mets au milieu. Quand il est au milieu, je vous rappelle, là, il apparaît une petite barre rouge pour dire qui est centré. Sauf que là, ce que j'ai fait en print screen, c'est une page blanche avec des écritures noires. C'est pas nécessairement beau comme ça. Puis là, je vais nommer, faut pas oublier de nommer ces calques parce que vous allez devenir fou. C'est que je vais écrire titre du livre. C'est que là, on sait que ce calque là, c'est le titre du livre et je peux le déplacer par-dessus tout le reste. Comment on fait pour enlever le contour blanc Je pourrais utiliser la méthode difficile qui serait de prendre la baguette magique, essayer de sélectionner le blanc, effacer le blanc. Sauf que ça, ça laisse toujours un petit contour dégueulasse autour des lettres. Je vais vous montrer une meilleure façon de euh, transformer ce, ce, ce calque-là pour en extraire juste l'écriture. Quand vous cliquez sur ce calque-là, okay, ici, il y a une petite zone que vous pouvez cliquer dessus pour choisir comment ce calque-là va réagir avec les autres calques. Okay. La liste est assez grande. Ce qui est plate, c'est que quand je clique dessus, vous ne voyez pas le menu qui apparaît. Il apparaît juste chez nous. Mais il y a un menu peut-être d'une quinzaine d'options environ. Tu sais, il y a Normal, Dissolve, Darken, Multiply, Color Burn, etc. Il y en a juste deux qui sont vraiment utiles pour faire le travail qu'on fait là. Okay. C'est Multiply puis Screen. Si je clique ici, puis je choisis Multiply, qu'est-ce que ça va faire ça va faire en sorte que mon calque va garder tous ses tons foncés, mais les tons clairs, ils vont devenir transparents. C'est le fun. Hein? Je vais cliquer sur Multiply. Vous allez voir, le blanc va disparaître. Il va juste rester le noir. Paf. C'est génial. Donc là, on peut le déplacer où on veut. Puis on a, on peut le déplacer où on veut. On a notre, euh, notre logo. Sauf que là, on a un problème parce qu'on voudrait qu'il soit blanc à la place. On voudrait que ça soit une écriture blanche. Ce qu'on va faire pour ça, on va s'assurer que notre calque est sélectionné. On s'en va sur Layer, euh, Layer ou Image. Ouais, c'est Image. On fait Adjustment et on choisit Invert. Invert, ça, ça inverse les couleurs. C'est-à-dire tout ce qui est blanc devient noir, tout ce qui est noir devient blanc, puis les couleurs vont être un peu inversées là. Ce qui est rouge va devenir vert, etc. Mais là, vu qu'on est en noir et blanc, ben, c'est sûr on veut inverser les couleurs. C'est qu'on va cliquer sur Invert. Sauf que là, ben, vu qu'on est en Multiply, le blanc est devenu noir, c'est qu'on voit juste le noir. Puis le blanc est devenu transparent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner, cliquer sur Multiply et, et au lieu de prendre Multiply, on va prendre Screen. Okay. C'est que je choisis Screen. Et là, là, là. qu'on a réussi à extraire le titre de notre livre sans déranger la maison d'édition parce qu'on a été la chercher sur libraire.ca avec l'extrait du livre et on l'a juste tweaké on l'a juste copié-collé dans notre document et on peut faire exactement la même chose avec le logo de la maison d'édition si on veut inclure le logo de la maison d'édition et en passant le logo de la maison d'édition comme le titre euh, on va être euh, on, va, on, va, on va tout faire de façon légale euh, C'est copyrighté, il y a un droit d'auteur qui est possédé par la maison d'édition pour ces deux choses-là. Votre maison d'édition ne va pas s'opposer à ce que vous fassiez des signets, j'ai l'impression, mais demandez-y la permission quand même d'utiliser son logo et d'utiliser euh, le titre qu'il a créé pour votre livre sur votre signet. Il faut toujours faire les choses de la bonne manière. C'est que demander la permission avant de faire ça. Euh, moi, je n'ai pas demandé de permission pour faire ce tutoriel-là, euh, mais bon, je pense que Simon va me pardonner. Donc, on retourne. Dans notre, notre exemple ici, notre PDF, on va descendre sur le haut logo de la maison d'édition. Encore une fois, puis là, je vous le rappelle, c'est une auto-édition, c'est ville, là. je ne mettrai pas de logo de maison d'édition dessus, c'est juste un exemple parce que j'ai d'autres livres qui sont publiés chez Corbeau. C'est qu'on zoome le plus possible pour aller chercher un maximum de détails, puis encore là, ça c'est vectoriel. Tu sais, si je zoome, on ne voit pas de pixels. Mais plus on zoome, plus on a des détails, plus la qualité d'impression va être bonne. C'est que si on fait Commande Shift 4, là je vais le faire plus vite. Là. je vous ai montré tantôt comment faire. C'est que je drag and drop pour sélectionner mon logo complet. Il est apparu sur mon bureau. Je retourne dans Photopea. Je suis là. Je drag and drop le logo de la maison d'édition, pas dans mon logiciel de streaming, merci. Il apparaît ici. Je le rapetisse. Je le descends en bas. Je le rappelle encore un petit peu. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit dans le bleed. Hein, on se rappelle, s'il est dans le bleed, il va être coupé. Et là, je le nomme mon calque Maison d'édition. Je l'inverse. Je, je m'en vais dans Image, Adjustment, Invert. Et je choisis le mode de fusion Screen. Ici. ouais, c'est apparu. C'est que là, j'ajuste un petit peu les choses. Titre du livre. Titre du livre, je vais le monter un petit peu. Je le mets comme ça. Si on fait ctrl clic, ça va sélectionner le calque qu'on pointe. C'est que je fais commande clic ici. Vous voyez, ça a changé de sélection ici. Si je commande clic sur le titre, ça sélectionne celui-là. Fait que ça va un petit peu plus rapide si on fait ça. C'est que je commande clic la maison d'édition, je la monte un petit peu. Vous voyez notre signet, paf, il serait fini comme ça. Je pourrais encore rajouter le nom de l'auteur, mais le nom de l'auteur il apparaît déjà ici. Ça fait que ça serait déjà fait pour un côté du signet. Euh, y a-t-il des questions ou on passe tout de suite à l'ando du signet? Ça a l'air d'aller. À date, il n'y a pas eu d'autres questions que j'ai vu passer dans le chat. Euh, je vais commencer l'ando du signet. Et si vous avez d'autres questions, allez-y. Euh, on, on va y répondre au fur et à mesure. Euh, pour créer l'ando, ce que je vais faire, c'est que je fais New. Je fais exactement comme j'ai fait tantôt. Je fais un signet de 2 par 8 à 300 dpi. Je fais Create. Et on a notre devant du signet ici. On a comme deux onglets dans la Photopie. Et on a le derrière du signet ici qui est complètement blanc. Si je veux reprendre la couverture à l'ando, super facile, je sélectionne couverture de spamville. Je prends l'outil de la flèche. Je le drague vers l'onglet. Vous voyez, il va apparaître ici. Et je le dépose. Le calque est ici. Et ce qui est, là, ce qui est le fun, c'est que dans l'autre document, il n'a pas disparu. Ça fait juste le copier au lieu de l'éliminer d'un fichier. C'est qu'on peut transférer des éléments comme ça d'un fichier à l'autre, juste en drag and dropping euh, Moi, ce que j'aimerais acheter à Lando, c'est le résumé du livre. Je trouve que ça, je trouve que c'est pas assez exploité, Lando, du signet. Puis, écoute, si on met un résumé du livre, c'est un bon outil marketing, là. non seulement le lecteur, il connaît notre livre, mais si en plus il peut lire le résumé, c'est un argument de vente, en plus il peut se faire accrocher par notre résumé, pas juste par la couverture. Mais c'est dur de faire rentrer du texte dans un petit signet et s'arranger pour que ce soit lisible. Okay? Pour que ça reste lisible à l'endroit du signet, moi, ce que je vous suggère fortement, c'est d'utiliser des polices de caractères qui sont, on appelle, condensées. Des polices de caractères condensées, c'est des caractères qui sont très minces et qui sont hauts et qui sont conçus comme ça. Din Condensed, c'est écrit dans le site, c'est une police condensée. C'est que je pourrais, si je voulais, écrire mon résumé en Din Condensed et ça sortirait quand même bien et ça resterait lisible. Si j'écrivais ça en courrier new, on verrait absolument rien. Absolument rien. Okay? Donc là, on va commencer par aller copier-coller le résumé. Et on va regarder si ça rentre dans, à l'endroit du signet. C'est que je vais retourner dans mon navigateur web. Je vais l'afficher sur le stream. Alors, là, je vais aller sur mon site à moi. Je vais aller sur dominiquebelavance.com pour aller extraire mon euh, résumé de Sois bienvenue à que là Il est assez long quand même. Ça se peut que j'ai besoin de le couper un petit peu. Que je vais copier-coller tout ça. Et on va aller dans Photopie. Non, je ne veux pas m'abonner à l'info fois. je suis déjà abonné. On va aller dans Photopie. Et là, j'ai copié mon texte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'outil de texte ici. Et je vais tracer une zone de texte. Que je vais cliquer, je vais draguer une zone de texte pour essayer de, mettre, de faire loger un résumé là-dedans. Ça va être un tour de force, mais on va regarder ce qu'on peut faire. Ça se peut que ça ne rentre pas tout là. On va couper du texte. Il euh, n'y a pas 10 paragraphes qui vont rentrer là-dedans, certainement. C'est que je lâche. Et quand je lâche, là, on le voit difficilement à l'écran, mais il y a un petit curseur qui est apparu là, ici. C'est que je fais coller, rendu ici. Là, mon texte est apparu. Mais c'est ça ce que je pensais. Il est blanc sur fond blanc. Fait que là, j'ai fait commande A pour sélectionner tout, Et je vais le mettre noir. Alors. Là, il a gardé les mêmes paramètres que j'ai choisi tantôt. Ça veut dire que c'est juste des majuscules euh, qui sont en 159 points, ce qui n'a pas de bon sens. On va le mettre en 12 points. Ça, c'est vraiment petit. Euh, c'est beaucoup trop petit. Fait que, on va essayer. Attends 20 points. On va essayer, on va le monter comme ça avec la molette. Là. Euh, bon. Là, il faut s'assurer que tout le texte est là. C'est que si je choisis ça, puis que je clique là-dessus, est-ce que ça va être lisible Vous pensez Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On va regarder comment on peut optimiser notre texte le plus possible. C'est que là, DIN Condensed, ce n'est pas une police qui est, euh, qu peut aller, qui, qui est gratuite. Une police qui est gratuite dans les Google Fonts, okay, puis qui est probablement dans Photopea de base, je vais aller voir, c'est là, elle s'appelle Oswald. Si je tape Oswald, ouais, elle est là. Oswald, c'est gratuit. Si vous ne l'avez pas, vous tapez dans Google Google Font Download et vous allez arriver dans l'interface de Google Fonts. Vous allez chercher Oswald là-dedans et vous allez pouvoir télécharger gratuitement cette police de caractère-là, euh, qui est très utile pour faire des titres et des écritures euh, très condensées. C'est que je clique dessus. Et vous voyez, elle est encore plus condensé, Dean. Euh, là, je vais cliquer sur l'outil de texte. Là, image bon, bon, est comme pas centré les pitrons, ils sortent un peu du cadre, ça me gosse. Euh, je clique là-dessus parce qu'ici, il y avait un paragraphe séparé. Ok, c'est revenu comme du bon. Fait que tout est là. Tout le texte est là. Mais je ne crois pas que ça va être lisible. Euh, c'est que là, je ne commencerai pas à faire du travail rédactionnel là, avec vous autres. Là. Je vais juste éliminer les deux derniers paragraphes, puis faites comme si j'avais pris le temps de réécrire comme du monde tous les, euh, tout le texte là, pour que ça soit intelligent ce que j'ai écrit là. Et là, je pèse sur, sur, je pèse sur la flèche, l'outil de la flèche pour désélectionner le tout. Que pour que ça sorte bien, je vais commencer par aller dans le paragraphe ici. Là, si on est toujours dans cet outil-là, on a caractère pour contrôler l'apparence de la police de caractère. Mais dans le paragraphe, on peut contrôler l'apparence du paragraphe. Comme ça, si on veut justifier, on a des options pour faire ça ici. C'est ça, on va le justifier pour que ça sorte plus beau. En cliquant sur Justifier ici, ben, on va aller chercher cette marge-là de chaque côté. Et vu que j'ai éliminé des paragraphes, vous voyez, j'ai plus de place dans le bas du signet pour faire rentrer mon résumé. Je vais pouvoir agrandir la police de caractère encore un tout petit peu. Que je vais aller grossir la taille pour aller chercher un maximum de texte sans rien perdre. Que vous voyez, si je mets, je pense que je peux me rendre à 40. Si j'écris 40, je pense que c'est pas mal la limite qu'on peut aller chercher. À 40, avec une police condensée là, sur un signé comme ça, c'est très, très lisible. Peut-être qu'il faudrait prendre des lunettes là, si on a un peu euh, des problèmes de lecture, mais euh, la plupart de la clientèle qui a besoin de lunettes en a. Euh, il, va, il va pouvoir lire votre résumé. Donc, vous voyez, on a la couverture, on a la couverture avec un résumé com quasiment complet du livre qu'on aura retravaillé un petit peu pour. Euh, faire rentrer pour mettre le moins de texte possible. Et de l'autre côté, on a notre signet qu'on a préparé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a nos fichiers prêts ben, Première affaire, c'est qu'on les sauvegarde au format Photoshop. Parce que quand on sauvegarde au, fo au format Photoshop et qu'on le reload dans Photopie, on a accès à, à tous les calques qu'on a fait et on peut rééditer le fichier euh, de, avec toutes les données de base qu'on avait. Fait que pour faire ça, on s'en va dans File. On écrit Save as PSD. Et PSD, c'est le, le format natif de Photoshop qui s'appelle Photoshop Document. On fait Save as PSD. Et là, il y a une fenêtre qui apparaît. Vous ne la voyez pas à l'écran, mais en tout cas, je vais la sauvegarder sur mon bureau, euh, sur le desktop. Et je vais l'appeler Signer Spamville euh, Devant. PSD, enregistré. Et vous voyez, là, il sauvegarde ça sur mon bureau. Ensuite, je m'en vais sélectionner mon Nando et je fais la même chose, je sauvegarde en PSD et là je vais l'appeler signet verso verso.psd. Et ça, gardez ça précieusement sur votre ordinateur parce que si vous avez besoin plus tard de modifier ces versions-là de vos signets, vous allez pouvoir y revenir, vous allez pouvoir éditer le texte alors que si vous l'avez sauvegardé en JPEG ou en PNG, vous allez perdre toutes les capacités d'édition, ça va juste être une image fixe. Par contre, pour envoyer votre image sur Canada Copy, ça vous prend une version JPEG ou PNG. Euh, je ne commencerai pas à vous expliquer la différence entre JPEG et PNG, mais PNG, c'est un format qui, est, qui a très, très peu de pertes au niveau de la qualité. Il est plus lourd sur l'ordinateur, mais Canada Copy est capable d'en prendre, puis votre ordi aussi. Quand je dis plus lourd, c'est peut-être 2-3 MB au lieu de 500 KB, là. ce qui n'est pas la fin du monde, mais vraiment pas. C'est que pour sauvegarder votre signet au format PNG, vous allez dans File, vous allez mettre Export As, et vous allez avoir les formats les plus populaires pour le web ici. Et vous allez choisir PNG. Et vous lui donnez exactement le même nom. Ben ici, il vous donne des options. Vous, savez, vous pouvez examiner la qualité de votre image. La qualité, vous allez garder ça à 100%, parce que si vous le baissez, mettons, à, à 2%, là, ben vous allez voir, ça va faire ça et vous ne voulez pas que votre signe ressemble à ça, c'est juste que, vous voyez en bas, votre ta la taille de l'image, c'est 39K, si vous baissez la qualité à 2%. Et si on la met au maximum, ce qu'on va faire, la taille de l'image, c'est 696K, ce qui n'est vraiment, vraiment pas la fin du monde. C'est que vous faites Save, et vous lui donnez, ben en fait, il va se télécharger tout de suite, il va juste prendre le nom du document, et vous le drag and drop sur votre bureau pour utilisation ultérieure. Donc moi, je vais, je vais faire ça. J'ai comme perdu mon, mon menu. C'est bon. Euh, et je le mets sur mon bureau. Là, où je vais le retrouver. Et vous faites exactement la même chose avec Signal Spam Bill. Vous faites File. Euh, il y a du monde qui, qui disent qu'ils ont raté le début, euh, qui ont fait des copies d'écran pour comprendre les manipulations. Euh, ça, je l'ai dit au commencement. Là, la vidéo va être disponible sur YouTube après. Euh, puis, ça va être disponible sur ma page Facebook et diffusé sur LinkedIn, sur Twitter, à plein de places. Euh, puis je vais les laisser là. Vous allez pouvoir reconsulter la vidéo là, sans problème, euh, à tête reposée. Vous allez pouvoir faire des pauses. Inquiétez-vous pas. Tout, tout, tout va être disponible en ligne après ça. -à que je sauvegarde ça en PNG encore une fois. Save. Et ça va être mon deuxième document que je vais envoyer dans Canada Copy. Ça, c'est le verso. All right. Fait on, a, on a fini à travailler avec C'est que Maintenant, on va retourner sur Canada Copy, c'est que je vais rafficher mon navigateur web. Je reviens là-dedans et je reviens sur Canada Copy. Qu'est-ce qu'on fait ici? On s'assure de choisir la quantité qu'on veut. Ici, 1000 copies. Sur le papier, on ne peut pas changer. Ici, front-back, on va choisir, on peut choisir entre couleur un côté ou couleur des deux côtés. On choisit des deux côtés, vu qu'on a fait un devant et un derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Upload Your Files ici. Et là, on va choisir, je dois aller sur le bureau, là, vous ne voyez pas la fenêtre non plus, mais je vais choisir d'abord le fichier du devant .png que j'ai créé. Vous voyez, il se télécharge. Et après ça, je reclique sur Upload your files et je choisis le verso.png que j'ai désigné tantôt. Right. Et c'est fait. C'est qu'on passe sur Preview and Add to Cart, qui veut dire avoir un aperçu et ajouter au panier et là on va voir notre signet on s'assure que tout est correct et je pense que dans l'aperçu que Canada Copy a généré euh, il a enlevé le bleed sur le côté c'est que s'il y avait à, du texte à être euh, s'il y avait du texte qui devait s'en aller au Mexico là on le verrait peut-être ici faites attention toujours qu'il y ait un bon espace entre le devant et le derrière là vous voyez ici la couverture n'est pas tout à fait égale d'un côté comme dans l'autre. Moi, mon œil de perfectionniste, là, il me referait revenir dans la Photopie, j'ajusterais l'image, puis je la montrais de quelques pixels pour que ça arrive égal des deux côtés. C'est un détail. Là. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aller jusque-là, là, mais ça, c'est juste moi. C'est que vous faites approuve, approve and add to card quand vous êtes prêt, quand vous êtes satisfait. Puis surtout, assurez-vous qu'il n'y ait pas de fautes. Parce que si vous commandez votre, votre signet et vous vous rendez compte que c'est plein de fautes ou qu'il y a une petite coquille, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Là. Quand l'impression commence, c'est payé, la livraison a lieu, puis c'est trop tard. Il va falloir que vous jetiez, jetiez votre badge, puis vous recommencez à nouveau avec euh, des nouveaux fichiers. C'est un peu plat. Assurez-vous qu'il n'y a pas de faute dans votre design. Et après ça, vous faites approve and add to card. Ça dessus. Approve and add to card. Ouais, il cherche un petit peu. Là. Euh, de toute façon, on a pas mal vu l'essentiel. Vous voyez, votre aperçu de signé apparaît ici. Vous voyez le prix. C'est 43 dollars pour 1000. Il nous a donné notre 15%. Ah, parce que j'ai cliqué, ah, vous voyez, là, une petite erreur, J'ai cliqué deux fois sur add to card tantôt. Il me l'a mis deux fois. C'est pour ça que c'est écrit price 43 piastres. Puis le total, c'est 86. C'est parce qu'il me l'a mis deux fois. Cette chose-là. C'est que là, faudrait que je, comme que je je l'efface puis que je le remette, mais je, en juste une copie. C'est que faites attention à ça pour que ça vous arrive. Euh, on a en bas le prix de l'expédition. Ben là, ce serait pas 110, ce serait plus autour de 58, là, que ça donnerait. C'est que vous faites proceed to checkout, vous payez votre commande et ça va arriver chez vous en quelques jours ou quelques semaines. Euh, Prenez-vous d'avance. J'ai fait une commande avec Canada Copy puis ça a été quand même assez long, la livraison, là. C'est pas cher, mais il euh, y avait beaucoup de délais. Je ne sais pas si c'était juste une erreur ponctuelle qui est arrivée. Je pense qu'il avait perdu ma boîte dans l'entrepôt, mais ça arrivera peut-être pas tout le temps. Là, euh, j'ai passé une deuxième commande, puis je vais voir euh, qu'est-ce qu qui va avec ça. Mais d'après moi, ça va aller plus vite pour euh, ça va aller mieux pour les prochaines commandes que je vais faire sur ce site-là. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça euh, pour faire des signets avec Canada Copy. C'est pas le seul site qui existe. C'est juste que j'ai fait beaucoup de recherches et c'est celui-là qui fait les signets les plus abordables, les plus avec le meilleur. Euh, Rapport qualité-prix, je trouve. Parce qu'avant, je faisais imprimer toutes mes choses sur Vistaprint. Puis Vistaprint pour les signets, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Je ne vous conseille pas d'utiliser Vistaprint pour faire euh, ce travail-là. Donc, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au signets, par rapport à, à la mécanique de Photopie ou le site canadacopie.com en tant que tel Ou, ou ça va si Ça va, vous pouvez me l'écrire. Puis euh, écoutez, on va se dire. Euh, on va se dire salut après ça. T Tout a l'air beau. Merci, merci Céline d'avoir été là. Merci Aline. Tout le monde qui était là, c'est super cool. J'espère que vous allez vous faire des, des super beaux signets. quand vous allez les faire, postez-les sur votre page. Moi, j'ai hâte de voir quelle création vous allez faire avec ça. Et vous pouvez tester plein de choses. Autant avec le, le devant du signet qu'avec le verso. Au verso, on peut mettre plein d'affaires. On peut mettre, on peut mettre des, des résumés, des jeux, des, des, des n'importe quoi tout ce qui est utile pour le lecteur, mais utilisez cette information-là. C'est bien plate, je l'ai faite, mais c'est plate de laisser un endroit de signet blanc quand ça coûte surtout deux pièces et demie de plus pour 1000 signets. c'est un pète. Vous n'avez aucune raison de ne pas faire un design à l'endroit de votre signet. Sur ce, je vais vous souhaiter bonne soirée et surtout bonne création, autant pour votre livre que pour, euh, pour vos signets. Bye bye, à la prochaine.